Je suis Nicolas Roland, je suis géomaticien et je suis aussi président de l'association Géo France qui œuvre pour la promotion du logiciel libre, des standards, des données et d'éducation ouverte dans le monde de la géomatique. Là, c'est un moment important puisque là, on organise l'événement, on porte l'événement. On va rencontrer nos utilisateurs, enfin, les utilisateurs des outils, les développeurs aussi vont pouvoir rencontrer les utilisateurs. C'est un moment où la communauté va pouvoir se regrouper. Et c'est en fait l'animation de la communauté. Et oui, c'est un moment très très fort. C'est pas juste de la représentation dans un événement du logiciel libre ou d'information géographique. Là, donc, c'est nous qui portons pour la communauté. Et c'est vraiment toute la communauté. Là, il y a 140 personnes de la communauté autour du logiciel libre. Et plus particulièrement que ça. C'est le cœur, hein, c'est de pouvoir se rencontrer, que les gens puissent dire bah, les nouveautés des projets, mais surtout aussi avoir les retours d'expérience. C'est que telle collectivité, par exemple, qui utilise QGIS pour tel ou tel problème, qu'une autre collectivité qui dit ah, j'ai le même problème, je vais pouvoir contacter ces gens-là, voir comment ils ont réglé leurs problèmes, comment. Ils peuvent adapter les solutions à leurs besoins. Alors c'est du temps bénévole, oui. D'accord. Principalement le soir, pas tous les soirs, mais un petit peu le soir, dîner, répondre, parfois le week-end, et puis ça s'accélère un petit peu quand on approche de l'événement. On a des réunions une à deux fois par mois le mardi, entre midi et deux. Vous pouvez échanger sur les avancements des différents points d'étape. Je trouvais ça intéressant, on voit des choses complètement différentes. Alors du plugin, beaucoup de plugin. Je crois que le mot plugin a été prononcé 807 fois dans la journée. Merci d'avoir compté. C'est du toc. Chacun les siens. Non, plus sérieusement, beaucoup de plugins, mais pas que des plugins justement. Des retours d'utilisateurs. Et puis on a eu comme beaucoup de sessions questions. Beaucoup de Pierre. À Reims, monsieur Pierre de Reims, mais pas que. Et du coup, ça permet aux gens qui développaient des plugins d'avoir des retours sur ce qu'ils faisaient et les gens qui utilisaient des outils QGIS dans leur cœur de métier d'avoir aussi des retours sur d'autres problématiques. Ok, ouais, trop bien. Bah, merci Nicolas. Merci. Bon retour. Merci Florian.